La musique des sphères ou harmonie des sphères est un concept philosophique ancien qui considère les proportions et le mouvement des corps célestes comme une forme de musique. L'idée est le plus souvent attribuée à Pythagore, qui aurait dit « Il y a de la géométrie dans le bourdonnement des cordes. Il y a de la musique dans l'espace des sphères. » Cette idée est restée un thème central de la pensée philosophique pendant plus de 2 millénaires, où de nombreux savants influents utilisent différents arguments métaphysiques ou esthétiques pour associer chaque corps céleste à une certaine hauteur selon la meilleure théorie musicale de son temps. Dans le cas de Pythagore, la légende raconte qu'il passait devant une forge lorsque son attention fut attirée par le tintement harmonieux de l'enclume. Lorsqu'il s'en enquit, on lui répondit que les marteaux étaient de poids différents, chacun produisant son propre son. Cette explication l'aurait conduit à l'idée des intervalles musicaux. Bien que j'aime cette histoire, il se pourrait aussi que Pythagore ait découvert les consonances en expérimentant la longueur des cordes sur un monocorde, un ancien instrument de laboratoire musical et scientifique à une corde. Les consonances sont définies comme une combinaison de notes qui sont en harmonie les unes avec les autres en raison de la relation entre leurs fréquences. On attribue à Pythagore la découverte du simple fait que la hauteur d'une note de musique dépend de la longueur de la corde qui la produit. Cela lui a permis de corréler les intervalles de la note de musique avec des rapports numériques simples. Et voici à quoi ressemble et sonne un monocorde. Un point important ici est sa tentative de traduire un élément de cette expérience humaine, dans ce cas le son, en mathématiques, ce qui était une étape essentielle dans le développement de la science. Une croyance centrale de Pythagore et de ses disciples était que tout est nombre. Pythagore pensait que les nombres étaient divins et, ironiquement, une expression de l'esprit de Dieu. Pythagore était également profondément spirituel en ce sens qu'il croyait que l'âme était immortelle et emprisonnée dans le corps matériel, souscrivant essentiellement au concept de réincarnation. Les philosophes pythagoriciens croyaient qu'il existait une relation divine étroite entre les nombres et les formes géométriques. Par exemple, ils vénéraient le pentagramme, car chaque diagonale en divise 2 autres selon le nombre d'or. Le nombre d'or est communément présent dans la nature et il a été utilisé dans l'architecture antique et peut même être observé en musique. Une articulation très simple mais efficace de ce point a été faite pendant un dessin animé de Daffy Duck, car Walt Disney lui-même était, selon la rumeur, un franc-maçon. J'aimerais donc vous en faire écouter un court extrait maintenant. Come on, let's go to ancient Greece, to the time of Pythagoras, the master egghead of them all. Pythagoras? The father of mathematics and music. Mathematics and music? Ah, you'll find mathematics in the darndest places. Watch. First, we'll need a string. Stretch it good and tight. Plunk it. Now divide in half. Plunk again. You see? It's the same tone, 1 octave higher. Now divide the next section.
and the next. Pythagoras discovered the octave had a ratio of 2 to 1. With simple fractions, he got this. And from this harmony in numbers developed the musical scale of today. My daughter, you do find mathematics in the darndest places. You can imagine how excited Pythagoras was when he shared his findings with his pals, a fraternity of eggheads, known as the Pythagoreans. They used to meet in secret to discuss their mathematical discoveries. Only members were allowed to attend. They had a secret emblem, the pentagram. Let's see what the topic is for today. It was our old friend Pythagoras who discovered that the pentagram was full of mathemagic. The two shorter lines combined exactly equal the third. And this line shows the magic proportions of the famous golden section. The second and third lines exactly equal the fourth. Once again, we have the golden section. But this is only the beginning. Hidden within the pentagram is a secret for creating a golden rectangle, which the Greeks admired for its beautiful proportions and magic qualities. The star contains the golden rectangle many times over. It's a most remarkable shape. It can mathematically reproduce itself indefinitely. All these rectangles have exactly the same proportions. This figure also contains a magic spiral that repeats the proportions of the golden section into infinity. To the Greeks, the golden rectangle represented a mathematical law of beauty. We find it in their classical architecture. The Parthenon, perhaps one of the most famous of early Greek buildings, contains many golden rectangles. Same golden proportions are also found in their sculpture. In the centuries that followed, the golden rectangle dominated the idea of beauty in architecture throughout the Western world. The Cathedral of Notre Dame is an outstanding example. The Renaissance painters knew this secret well. Today, the golden rectangle is very much a part of our modern world. Modern painters have rediscovered the magic of these proportions.
Léonard de Vinci, comme de nombreux autres artistes à travers les âges, a largement utilisé le nombre d'or pour créer des œuvres harmonieuses. Dans la scène, la position de Jésus est parfaitement tracée par la disposition de rectangles d'or sur la toile. Vous pouvez observer le nombre d'or tout autour de vous, les fleurs, les coquillages, les ananas et même les nids d'abeilles présentent tous le même principe de proportion dans leur composition. En termes de musique, chaque note a sa propre vibration. Les sons qui respectent le nombre d'or sont agréables à l'oreille, tandis que ceux qui ne le sont pas donnent l'impression que quelque chose ne va pas. Lorsqu'une fausse note est jouée dans une symphonie, même une oreille non entraînée peut reconnaître que quelque chose ne va pas. Il semble que nous soyons en quelque sorte programmés pour comprendre la relation mathématique entre les notes et les harmonies. La première découverte confirmée d'un instrument de musique date d'environ 35 000 à 40 000 ans. Certains prétendent que cet instrument utilisait la même échelle de 7 notes que celle que nous utilisons aujourd'hui. Les qualités harmoniques de la musique peuvent avoir un effet profond et bénéfique sur la psyché humaine. Platon disait que la musique est une loi morale. Elle donne une âme à l'univers, des ailes à l'esprit, des envolées à l'imagination, du charme et de la gaieté à la vie et à toute chose. Un bain sonore est défini comme une expérience d'écoute du corps entier profondément immersive qui utilise intentionnellement le son pour inviter des processus thérapeutiques et réparateurs doux mais puissants pour nourrir l'esprit et le corps. Il existe différentes techniques et instruments qui peuvent être utilisés. Le premier exemple ici, l'utilisation des gongs. Veuillez régler votre volume pour bien écouter ces sons. Bien sûr, il existe un certain nombre d'instruments différents utilisés en thérapie sonore, chacun ayant des résultats thérapeutiques différents selon les individus. Le plus courant, le bol de cristal.
Tous ces instruments servent à modifier la conscience et à vous faire pénétrer plus profondément dans des états énergétiques très subtils. Parmi d'autres choses comme les mathématiques et la géométrie, Pythagore a également été décrit comme le père de la musique. Ayant découvert ou redécouvert les intervalles musicaux, il a enseigné que l'on pouvait guérir en utilisant le son et les fréquences harmoniques. Il a été la première personne dans l'histoire à prescrire la musique comme médecine. Le concept était que chaque objet individuel, du macro au micro, avait un son particulier et que ces rythmes et vibrations individuelles uniques formaient une harmonie universelle, contribuant au tout. Il affirmait que la musique est présente partout et régit tous les cercles temporels tels que les saisons, les cycles biologiques et tous les rythmes de la nature. Pythagore a condensé la sagesse qu'il avait recueillie dans les écoles des mystères de Babylone, d'Égypte et d'autres pays, et il a synthétisé ses enseignements en une nouvelle discipline qui nous est parvenue sous la forme de la philosophie grecque, qui a pour fondement le nombre, considéré comme l'élément le plus fondamental de la création. Pour parvenir au cœur de ces enseignements, il fallait endurer 3 années préparatoires, suivies de 5 années de silence absolu, puis de 5 autres années d'entraînement. Ce n'est qu'alors que les étudiants étaient prêts à apprendre le mystère le plus sacré des nombres, appelé numérologie, et certains éléments de la Kabbale et la manière dont tout dans l'univers est réellement lié et accessible par la science sacrée des nombres, de la géométrie et des mathématiques. Des générations de Grecs ont ensuite élaboré sa philosophie, et Aristote en a fait une science. Mais le christianisme est arrivé, et pendant les 1000 ans qui ont suivi, la religion officielle a jeté une ombre sur la science et sur certains aspects des mystères connus sous le nom d'occultisme. L'étude du son visible s'appelle la cymatique et elle révèle des vérités fascinantes sur notre univers qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Les sons ont en fait une géométrie distincte, un peu comme les cristaux, les fleurs et les coquillages. Lorsqu'elles sont captées par un appareil spécial, comme une plaque recouverte de sable, ces vibrations révèlent des formes géométriques incroyables, aussi uniques et belles que des flocons de neige. Donc voilà, pouvez-vous voir les motifs sur le dessus, là? Vous pouvez voir ces motifs dans la nature. Vous les voyez sur le dos des carapaces de tortues, vous les voyez dans les graines de tournesol. Cette vibration et la forme qu'elle prend est ce qui se passe en nous. Faisons cela encore une fois. Un peu plus de sucre sur le dessus. Vous pouvez utiliser du sel aussi. Allez-y. Donc ce qui se passe, c'est que plus la note est haute, plus le motif est complexe. Donc une fois que vous êtes dans les ultrasons, les choses sont différentes. C'est Nikola Tesla qui a dit un jour, « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Ce qui nous emmène au docteur Rife, un inventeur américain qui pensait que tout vibrait à sa propre fréquence naturelle. Il a tenté de découvrir les fréquences individuelles des micro-organismes pathogènes dans le but de les détruire en utilisant ces mêmes fréquences vibratoires. En 1934, Rife a utilisé une machine qu'il a mise au point pour guérir 16 patients en phase terminale de divers cancers. Les 14 premiers ont récupéré en 70 jours. Les 2 autres ont récupéré 3 semaines plus tard. Fait incroyable, les patients n'ont besoin que de 2 séances de 3 minutes par semaine pour obtenir une guérison totale. Le docteur Rife n'a jamais prétendu que sa machine était un remède contre le cancer et a simplement déclaré qu'elle pouvait dévisager
revitaliser les organismes malades et les tissus vivants. Il a également mis en garde contre les fraudes médicales imitant ses découvertes. Une chronique nécrologique parue dans le Daily Californian décrit sa mort à l'âge de 83 ans, le 5 août 1971, en déclarant qu'il est mort sans le sou et aigri par l'échec de son appareil à obtenir une acceptation scientifique. Rife attribuait le rejet scientifique de ses revendications à une conspiration impliquant l'American Medical Association, le ministère de la Santé publique et d'autres éléments de la médecine organisée, qui avaient lavé le cerveau et intimidé ses collègues. Après sa mort, des imitations inefficaces de sa machine ont été commercialisées en utilisant le nom de Rife comme remède au sida, au cancer et à d'autres maladies, ce qui a donné lieu à plusieurs cas de fraude sanitaire aux États-Unis. Bien qu'il soit prudent d'avoir une sorte de contrôle de la qualité et de protection contre la fraude des consommateurs dans le domaine médical, il semble que la FDA et des organisations telles que l'American Medical Association, qui est largement financée par la Fondation Rockefeller, ignorent, négligent et rejettent les traitements alternatifs du cancer, malgré les résultats prometteurs des thérapies à faible risque, telles que celles impliquant le son, la fréquence et les vibrations. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'aident à la production de ces vidéos en me faisant des dons, cela m'aide beaucoup. Et merci pour votre attention et l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Bien à vous et à très bientôt.